Per principio, questo giro tra Udionsani e l'Ostrigoni è molto d'andà in un luogo rurale, sicuramente, ma anche Sarvadi, quindi la foresta di Tartagine, foresta di quasi 3.000 ettari che si estende in tre comuni, quella di Pioggio, la Dolmicapella e di Mosoleu. Per parlarne, è un appuntamento subito a Waku, un agente dell'Ufficio Nazionale di Foresta, Pascal Gentì, di Elu, che gestisce e che intrattene il luogo. Donc Pascal, vous, ça fait 12 ans que vous êtes ici sur le secteur de Tartagine pour le compte de l'Office national de la forêt. Quelles sont vos missions ici, vos travaux quotidiens, je dirais? Alors à l'ONF, donc on s'occupe de la forêt, je dirais, de A à Z. Hein. Du stade semi-arbre grand comme ça, jusqu'au moment où on les coupe. Ici, la particularité, c'est que vu que la forêt a brûlé en 2003, on a énormément de régénération, que ce soit artificiel par les plantations comme naturel par les graines. Donc on s'en occupe de manière à la faire pousser le mieux possible. Alors j'imagine qu'il y a aussi de la surveillance, de la pédagogie à l'égard des randonneurs que vous pouvez croiser ici sur le secteur. Tout à fait, c'est surtout l'été, il y a quand même un certain nombre de randonneurs, bien que la vallée soit nettement moins fréquentée que le Fango ou Bonifat, il y a quand même un certain nombre de randonneurs qui recherchent justement le côté sauvage de la vallée, et quand on les croise, on leur rappelle les consignes de sécurité, pas fumer en forêt, pas faire de feu, voilà, ça c'est sûr. Alors la forêt de Tartagine, c'est une flore, c'est aussi une faune, il y a du mouflon notamment dans le secteur. Comment est-ce que vous trouvez de manière générale l'état global de la forêt de Tartagine? Je dirais que la forêt de Tartage est en bon état. Pour l'instant, je n'ai pas remarqué de dépérissement suite au réchauffement climatique, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense que c'est dû au fait que les arbres de Corse sont déjà habitués à la sécheresse. Chose que ne sont pas, par exemple, dans les Vosges, où ils ont beaucoup de dépérissement, parce que là, une sécheresse d'un coup, les arbres ne supportent pas. Mais ici, que ce soit les chênes verts et les pins, ils tiennent bien. Ma intaniva, da osto di 2003 corpas a eta, c'è corso lo vogo per sti luoghi, mettendo un pericolo i paesi come quello in Mosoleu, senza va vittima. Dopo che sono stati esuminati più di 50.000 erburi e larici che rappresenta mai aperte e avuresta fino al 2011. Donc là, on est sur le versant sud, là où l'incendie était passé il y a donc 20 ans, pratiquement jour pour jour, et on voit encore certaines stigmates du passage du feu 20 ans après. Tout à fait, tout à fait. Là, on a un arbre, on a une souche d'un arbre qui a brûlé en 2003. Et donc, l'arbre a été sorti de la forêt. Et après le feu, on a planté du laricio. Du laricio, en voici un d'ailleurs, qui a un peu végété, hein, il faut bien le dire, hein, parce qu'au bout de 20 ans, il fait 1,50 m, c'est quand même pas grand. Mais on travaille. Alors qu'à côté, on a vraiment la régénération de pins maritimes qui aurait tendance à les étouffer, et il faut justement les maîtriser les pins maritimes pour pas qu'ils étouffent les pins lariciaux. Et donc c'est cette pluralité des espèces, cette diversité qui fait que les larici, certains, eh bien, se développent plus ou moins vite par rapport à d'autres. Ça va dépendre de sa force à lui, hein. Il y en a qui sont petits, il y en a qui font... dans la parcelle, il y en a quand même qui font plus de 2 mètres, hein, heureusement, hein, au bout de 20 ans. Mais c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile que la régénération naturelle de maritime. On tient le bon bout, hein, franchement. On a régénéré tous les endroits incendiés ont été replantés, régénérés. Oui, oui, c'est bon. Il faut... Si ça ne brûle pas prochainement, c'est sauvé, quoi. Oggi, la foresta di Tartagine si sviluppa anche a livello turistico. La casa forestiera, costruita nel 1868, è stata ribiata da municipalità Dolmicapella per farne un'osteria e numerosi suoi turisti a piantarsi dopo la girandolata. Oui, nous on fuit un peu la faune, donc on aime la nature. Et la forêt Tartagine, pour la nature, je crois qu'on ne fait pas beaucoup mieux dans la Balagne. Donc oui, super journée. Et des petites routes à vélo tranquilles, où on peut s'arrêter sans souci, quoi. Et très peu de circulation, vraiment très très agréable à cette période de l'année.
Pelania ben, i travai fermano numerosi per continuare a sviluppare a Vurista, pareti di assi anziani avrianu per un detto essere bulidi e riaberti.